Bonsoir! Comment ça groove? Ah putain, bon, je sors de la douche, les gros. Bon, j'ai le bouton accéléré normalement derrière la manette. Voilà, ce qu'il fallait un peu plus vite. Je pense que j'utiliserai pour XP, etc. Parce que c'est vrai que sinon c'est chiant. Alors, on va s'appeler Sid, évidemment. Je pourrais m'appeler Toto, hein, comme dans tous mes jeux, mais bon. Hop. Un petit live avant le travail, ça fait plaisir, merci. Eh bah, pas de soucis, Momo, ça fait plaisir. L'ennemi, on va l'appeler comment? On va l'appeler FDP. Hein, parce que bon, c'est un gros FDP quelque part. Je pense que. Non, pas FDO, FDP, voilà. Bon, évidemment, vous l'avez compris, les gars, on va prendre du bizarre. Après, ça va être un petit peu aléatoire. Je pense qu'on va se démerder un petit peu dans les Pokémon. Oui. Ah bah, je suis mort. De toute façon, le début, c'est soit tu crèves, soit tu gagnes. Mais bon, bon, je me suis fait allumer le cul, c'est pas très grave. Sachant que plus tard, lui, je vais lui beurrer l'arrêt, il va rien comprendre. Bon, là, on a le passage de merde avec le vieux con qui capture un aspicot de merde. Enfin, déjà, explique-moi où il le chope, l'aspicot, parce qu'il n'y a aucune autre herbe ici, fils de pute. Mais on va prendre un Papillusion, parce que je l'aime bien. C'est un excellent Megaman, Papillusion. Bon, comment on l'appelle, le Roucoule? Roulman. Quelqu'un qui m'a dit Roulman. Roulman. À la base, je voulais vous faire la version officielle. Officielle! C'est-à-dire la version Game Boy, là. La verte originale que j'ai. Et bon, comme c'est tout en japonais, je me dis, bon, même si je connais le jeu par cœur et que j'ai pas besoin de comprendre quoi que ce soit, ça va vite me casser les couilles, donc. Ah, niveau 8 alors en crise d'acier. Ok, bah d'accord. Il semblait que c'était bien avant, mais. Je ne sais pas, je ne sais plus. Bah vas-y, on attaque. Allez. Bon, évidemment, petit café, les gars. Pour ceux qui rejoignent, prenez un petit café, faites-vous plaisir. Petit café, évidemment, sans sucre. Hein. On fait attention au corps du Tanguy de la personne. Donc, alors oui, lui, il fait mal à la gueule en général. Donc, on va prendre notre pote Gabi. Et on va lui casser la tronche. Évidemment, s'il faut que je me soigne tous les 10 ans, la version cœur de pédale, quoi. Ou cœur de mandale. Si t'es sur Paris, j'arrive avec un petit déj complet si t'en as besoin tant que tu continues le live. Putain, Momo, bah franchement, ça me ferait trop plaisir, mais non. Malheureusement, je suis dans Lyon. Il faudrait que tu fasses 1h30 de route pour venir me balancer le petit déj. Mais ça aurait été avec plaisir, franchement, que j'aurais accueilli quelqu'un ici pour prendre un petit café et continuer le live de bon matin. Franchement, ça aurait été tellement stylé, quoi. Mais un jour, les gars, un jour, on le fera. Quand j'aurai un appartement dans une grande ville et où j'aurai la fibre, et là, on se rencontrera et on fera des lives de fou furieux. Vous inquiétez pas, les mecs. Bon, pour le moment, c'est le Tanguy de la personne, donc c'est compliqué. Chizacier. Quand j'étais gosse, je l'appelais Chizacier, moi. Ouais, parce que bon. Chizacier. Et Chêne, je l'appelais Chien. Moi, je lisais Chien. Moi, j'étais con, hein, aussi. Hein. Très, très con. D'ailleurs, bon, ça n'a pas tellement changé. Mais. Maintenant, j'arrive à faire 2-3 merdes, mais. Je peux pas faire deux choses à la fois. Par exemple, je peux pas faire caca et lire un bouquin, tu vois. Il faut que je me concentre sur l'un ou l'autre. Bon, voilà, on a Zipapillusion. Ouais, nickel, il a choc mental. Bon, bah, Pierre, j'ai envie de vous dire, les gars, il va prendre cher. Par contre, vous savez quoi, le Roucoule, on va le stocker parce que c'est pas un excellent Megaman. On va lui faire Foilian dans ses merdes. Il semblait qu'il avait un Sablette. Ah, oui, d'accord, il a un Raikou ou un Sablette. Ok, il semblait qu'il avait qu'un Sablette. Bon, voilà, niveau 12. Putain, deux niveaux d'un coup, parfait. Et donc là, on va se reprendre le petit Papillusion. Si on galère trop, on reprendra le Bulle Bizarre, mais je pense pas. Je pense que théoriquement, ça devrait le faire. On va faire une petite save. Allez, let's bounce. Ah merde, j'ai fait charge comme un connard déjà. Choc mental. Allez, fous-moi ton camp, connard. Non. Allez, Onyx. Oh putain! Ok, d'accord. Bon, on va prendre Bulle Bizarre, on va lui péter la gueule. Allez, Gabi, là! Fous-lui un petit Foilian dans sa gueule de fils de pute. Putain, je suis dégoûté, il m'a défoncé mon Papillusion, quoi. En même pas 10 ans, quoi. En une seconde, il m'a défoncé, quoi. Allez, alors là, c'est parti, c'est vraiment.
Le truc de merde, hein, le mont Sélénite, bon, ça se fait vite, mais putain, qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Donc, on va prendre le fossile dôme, parce que, faut pas déconner, Kabuto est tellement plus stylé que cette saloperie de Ammonita, je suis désolé, mais il est dégueulasse. Hein. Alors lui, pour le coup, il pue vraiment la merde. Hein. Antidote, hop. Et voilà, on arrive à Azuria, bientôt, les enfants. Bon, là, on a notre rival, donc est-ce qu'on va réussir à lui péter sa gueule? Je ne sais pas, j'espère. Ouais. Je suis vraiment nul, hein. Heureusement que j'avais été au centre Pokémon d'Azuria. Par contre, je suis obligé de le rebattre à chaque fois ou pas? Ah oui, d'accord, ok. Bon, ça va être chaud, les mecs, hein, parce que... Papillusion... Abra, bon, lui, il pue la merde, il a que téléport, normalement. Allez, dégage, voilà. Ratata. Oh! Majin Mookie qui me follow! Eh bien, merci à toi. Vous voyez, j'ai changé le truc, hein. Maintenant, quand vous followez ou que vous faites un petit don, ça passe par Twitch Alert. Voilà, donc... merci pour le petit follow. J'ai oublié ton pseudo, déjà. Mais bon. Dabdam, c'est un Pokémon double type. Ah oui, c'est ça, oui. Non, un type, poison, seulement poison. Ou type, alors s'il y avait le type saloperie aussi, mais bon, je crois que ça n'existe pas. Voilà, donc là, du coup, mais non, rentre pas dans la maison, putain. Donc, allez. Donc, Yostari, au champignon, Staros. Oh putain, d'accord, ouais, ça fait mal. On va prendre du bizarre, hein. Tant pis. Tranche herbe, voilà. Pas le choix. Eh ben, c'est bon, on l'a défoncé. Hop, bon, deuxième badge, les gars. Il nous en reste 6. Je le défonce. Donc, Carmin sur mer. Hop, ici, la canne. Je crois que c'est là. Voilà, la canne. Donc là, c'est pour avoir un Magikarp. On va s'en prendre un Magikarp, histoire d'avoir un petit... Léviator. Une petite boule. Bon, voilà, il n'y a pas besoin de l'affaiblir, c'était tellement une saloperie, le bordel. Ok, donc là, est-ce qu'on va se faire chier à battre tous les connards ou on va direct voir le connard de base qui est notre rival? Alors, on va faire ça. Parce que sans déconner, c'est chiant. Ah putain, mais c'est vrai qu'il a. Il a des excellents médiamas. Putain, la vache. Ouais, il fait mal, lui. Kadabra. Ah putain, Kadabra. Oui, on va changer. On va prendre Magikarp. Pokémon, et on va reprendre Papillusion. Si on arrive à le battre, ça serait cool. Ultrason. Charge. Putain, on va laisser tomber. Je vais me faire défoncer. Ouais, il me faudra un autre Pokémon là. Espèce de bite. C'est même pas une bite, ça, on dirait un étron, hein. Piège. Ah merde. Merde. Oh, je vais me faire tuer. Oh putain, je suis obligé de faire trempette, quoi. Ah, tunnel, merci, bonsoir. Ah oh, putain, la connerie, quoi, que j'ai fait encore. Moi, pareil, j'en ai rien à foutre. J'étais Gabi. Bon, il avait un problème de cœur. On a dit, bah, on va pas l'emmener, elle. Paris Games Week, hein, parce que bon, s'il nous tombe dans les mains. Allez, docteur Lulu, encore un verre, encore un verre. Allez, docteur Lulu, encore un verre, mais ça ira. Oui, je veux prendre Magikarp, l'excellent Magikarp, et je vais prendre Papillusion pour niquer ce fils de pute de Nidorino de merde. Ok. Donc là, on a notre pote le chauve. Il s'appelle Toto, normalement, hein. Si je ne m'abuse. Ah putain, mais c'est... Mais non, ah, il me casse les couilles, ce caninos de pute, là. Attends, est-ce qu'on peut pas dormir dans un pajot pour... Ah, oh, fais chier. Putain, s'il faut que j'utilise des 10 ans de potions à chaque fois, c'est chiant, quoi.
C'est où les potions, c'est ça? Ah, putain, j'en ai que 5 en plus. Hein. Petit Gabi. Non, petit Gabi. Petit Gabi. Mini Gabi. Le prochain Pokémon, faut l'appeler Daficid. Ok, d'accord, je ferai ça. J'en connais un ce soir qui va pas faire long feu. Hein. À mon avis, le poète-poète ce soir, il va rester chez lui. Tisane. Tisane dans son canapé devant Arthur, il va être bien, le gars, tu vois. Ouais, j'utilise le super bon, c'est pas grave. Merde, je l'ai filé. Je suis vraiment un PD, quoi. Non. Putain, je l'ai filé à bizarre comme un con, quoi. Ouais, mais je pensais que le Magikarp était surligné. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le super bon, c'est de la merde. Ok, voilà. Donc, on a Léviator. Qui a appris morsure, c'est ça? Ou aura courage? C'est quoi qu'il apprend? Morsure. J'ai voulu faire une save et j'ai fait CTRL F1 plutôt que SHIFT F1. Voilà, bravo. Le connard de base. Donc on va être obligé de se retaper les combats. Malheureusement, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ah putain, je commence bien avec un connard de base. On va lui faire morsure, écoute. En espérant qu'il me le défonce pas trop. Ratatak va être envoyé. Oui, on va prendre Papillusion. Ultrason dans sa gueule de bâtard. Non, choc mental, pardon. Voilà, nickel, niveau 25. Reptincelle, c'est parfait. Léviator. Vibraquois dans ta gueule. Voilà, terminé. Merci, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Il est parti. Kadabra, on va garder Léviator. On va lui faire morsure, c'est ténèbres. Donc ça devrait être efficace. Et on l'a démonté, Lego. Putain, nickel. Voilà, il fallait un excellent Magikarp. C'est aussi simple que ça! Gabi algérien, donc automatiquement il est compétent. D'ailleurs, on pourrait lui apprendre. S'il est algérien, on pourrait lui apprendre la technique explosion peut-être. Ah, on rigole. Apprends-lui vol. pas mal. J'ai jamais compris le bordel des poubelles. Je réussissais au pif, une explication. Alors, normalement. C'est celle qui est opposée. Mais alors, j'avais compris aussi. Un bouton. Voilà. Et normalement, c'est à l'opposé. Donc, peut-être ça. Voilà. Pifland du premier coup. First try. On est bon. Allez, go. Bon, lui il me pétait les couilles, hein, toujours à l'époque. Il est assez chiant, le Major Bob. Écoute, on va tenter tout avec... avec Bulbizarre. Bon, bah voilà. Je l'ai démonté. Merci, bonsoir. Putain, mais le tocard de base, quoi. Les gars, mais... Les trois badges, pour l'instant, c'est les doigts dans le tas. Non, rentre pas là-dedans, putain! De monter niveau 25, voilà. Dracorage. Ah oui, évidemment. Merde, je l'ai pas appris! Ah putain, je suis vraiment un peiné, quoi. Bon, c'est pas grave, je recharge. C'est pas grave. De toute façon, les gars, on en a pour la nuit. Hein. Enfin, pour la journée, je veux dire. J'ai Z-tête dans ZQ. Donc, là, on est parti pour la grotte. Alors ça va être chiant. C'est le livre de la crotte, hein, quelque part, donc... Je sais pas ce que c'est. Je suis perdu, je suis pas nickel. Oh, mec, il s'appelle Tanguy, les gars. Montagnard Tanguy, c'est Montagnard Tanguy de la personne, quelque part. Donc, c'est pas mal, là, gars. Ah, caillou. On va faire du raccourage. Sam Fisher qui nous donne 2 euros et bit. Eh ben, merci, Samy. Ah, est-ce que vous voyez bien les messages sur le live où c'est un peu dégueulasse? Je crois que ça va. Il me reste combien de vibra quoi? 2. Captain Mehdi, allez, mes origines sémites ressortent. Ah, merci à toi, monsieur Captain Mehdi. Ça fait un petit plaisir, hein. Je te cache pas que... Ah, j'ai le calbar qui mouille, hein. Enfin bon, j'en dis pas plus. En plus d'ailleurs, c'est un caleçon quand même. C'est 3-4 jours que je mets le même. Faudrait peut-être que j'en lave d'autres, hein, mais... Je suis assez feignant automatiquement. Hein. C'est compliqué. Putain, et c'est quoi ce délire de traînage de force, là? Ah, merci à toi pour les croissants. Eh ben, c'est sympa, Moersmind, comme on dit. Moersmind, je ne sais pas. Moersmind. Bon, bah, moi, je dis Moersmind. Merci à toi, écoute. Hein. Ça paiera les croissants, ça paiera les croissants. Ah, putain, il m'a tué mon Papillusion, putain. Donc, bon, écoutez, les gars, on fait une petite pause. Je vais acheter les croissants. Voilà. Voilà les gars, donc bah écoutez, je reviens d'ici 20 minutes. Vous pouvez continuer à discutailler et à vous faire plaisir sur le chat. A tout à l'heure!
Bon, nickel, y a pas eu de bug. On est bon. Ah, relégo. Alors, attendez, ouais. Ah. Bon. C'est parti. Pourquoi ce live sauvage dès 6h30 du matin? Bah, pourquoi pas. Tout simplement. Moi, je te dis, pourquoi pas. Bon, alors, vous savez quoi? On fait un Stropol, les gars, ok? Est-ce que quelqu'un est motivé pour balancer un Stropol? Et vous faites un vote entre Piroli et Voltaï. Ok? On fait ça ou pas? Allez, on fait ça. En attendant, je vais aller mettre un petit peu de déo parce que ça commence à sentir le caca. Zistropol. Et je veux du vote, hein. Au moins 5 personnes. Qu'on se fasse un petit bon, ouais, qu'il se passe quelque chose, quoi. Alors lui, je sais pas si ça marche. Ouais, il vole. Il vole. On va changer de Pokémon, sinon il va crever. On prend de Papillusion. Putain, mais il m'empoisonne tout, là. C'est vraiment de la saloperie, les Pokémon poison, quoi. Alors, si vous avez reconnu la zik qui passe en fond, les gars, vous êtes des excellents Megaman. Hein. Eh ben, c'est Juno, les mecs, putain. Combien de fois il va falloir que je vous dise que c'est le meilleur film du monde, qu'il faut le regarder pendant 10 ans. Oh la vache. Putain, les résistances, toi, le gros tas de merde, là. Ah, Gabi évolue. Florizard, les gars, ça y est. Un excellent Megaman, évidemment. La Scope Sylph, donc là, c'est pour voir... C'est pour voir les fantômes... Dans la tour, je sais pas quoi. Encore un passage relou. En fait, je me rends compte que dans le jeu, quasiment tout est casse-couille. Tout me pète les couilles. Tout me casse la couille. C'est un truc de ouf. Allez. Oh putain, pas de bol. Oh, pas content. Non, heureusement qu'il y a l'Eviator qui est là. Hein, parce que putain. Putain, il fait chier ce rival de merde. Hein. À chaque fois, il me pine. Bon, ça va, j'arrive à le buter, mais à chaque fois, je prends bien cher, quoi. L'Eviator, le Zulman de l'équipe. Et Payou, c'est Papillusion. Ah, c'est un peu ça. J'aurais dû appeler tous mes Pokémon Payou, etc. Quoi. J'aurais dû faire toute la team, en fait. Même c'est que je suis pas assez, tu vois, inventif. J'ai déjà inventé le live à 6h30 du matin. Allez, on y est presque. Courage, vaillance. Son maître mot. En plus, regardez. C'est parfait, on se bat contre Exorcist Jennifer. Voilà. On est quelque part, on est raccord avec la musique. C'est comme tout à l'heure, on avait Tanguy avec le Tanguy de la personne. On est bon, quoi. Il est balèze. On va prendre Zigabi. Le 3. Breath of Fire 3. Je me marre tout seul. Le gars se fait marrer tout seul. Là, c'est compliqué. On va tenter. Hein. À mon avis, je vais me faire défoncer. Et voilà, je suis mort. Le 3. Breath of Fire 3. Allez, on se dépêche. La petite connasse qui tourne autour de la fontaine qui me casse la couille. Ouais, Ronflex, on s'en fout royalement. Il sert à rien, ce Pokémon. Il est nul à chier. Pour une prote... Non, mais elle a pas déjà pilé, ça? Connasse, va. Limonade. C'était 33. C'est quoi, c'était 33? Protection. Putain, mais elle pique que la daube! Ah, mais attendez, je suis con! Y'a Erika à péter, là! Le mec, il zappe un badge, quoi. On va foutre Papillusion. On va démonter tout le monde, les gars! 10 ans de défonçage en 8! Allez, hop, ça dégage! Allez, hop, ça dégage! Merci, bonsoir! Raphalopsy... Allez, putain, dépêche-toi! Allez, c'est bon, on l'a pété, merci, bonsoir. Giga Sensu, allez, on se casse. Voilà, donc ça, c'est fait. Vous voyez que ça a pris quand même 5 secondes. Hein. Hop, donc là, l'Eviator, normalement, il va le démonter en 50. J'espère. Bon, c'est bon, je pense. Nickel. Bon, il est pas évident, lui, hein, parce que Pokémon Psy, insecte à la con, hein.
Je sais même pas ce que c'est lui, c'est poison psy, c'est quoi? Attends. On sait pas. On n'en sait pas, les gars. Allez, parc safari, c'est parti. Alors le parc safari, bon, c'est sympathique, mais ça casse un peu la couille. Parce que vous vous doutez bien que j'en ai strictement rien à foutre du parc safari. J'imagine bien que j'en ai rien à foutre des guitares. Donc, on va essayer de se prendre un petit mini draco. Histoire d'avoir un dracolos, comme ça je pourrais avoir vol et tout. Non, je veux pas surfer, dégage. Méga can, yes, on est bon les gars. Et en plus, regardez ça. On peut voler directement ici. Par manie. Voilà, nickel. C'est nickel ça. Oh, un poisson roi. On s'en branle, c'est un gros tas de merde. Bon, je caresse sa mère. Ball. Je recaresse sa mère. Ball. Ah, au calme. 21. Niveau 21. Non, j'ai oublié de le renommer, putain! Là, ça va commencer à être intéressant. Papillusion, on avait dit que c'était Payou. Voilà. On a qui d'autre? Mini Draco, on avait dit comment? Carbinotaur. On va choper un oiseau légendaire pour avoir un Pokémon vol. En attendant, Rapace de Pique, on va l'appeler Monsieur J pour le tarin. Voilà. Voilà, nickel! Comment ça se passait des choses sympathiques? Si tu captures un taureau, c'est tu l'appelles Minotaur Gothique. Ah, j'avoue. Ah putain, attends. Il faut aller à Cramoisine direct? Non. Il y a Safrania avant quand même. Oh, un petit don de Calvas. C'est un bon Megaman les croissants. Merci Calvas. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. On est en train de se taper l'avant-dernière arène avant la dernière. Avant celle de Safrania. Ça n'a aucun putain de sens, les mecs. Merde, j'ai oublié de changer de Pokémon. Ah putain! Mais je suis fini au doigt ou quoi là? Évidemment, ouais, ça va, il va pas me tuer. Oh, un petit don! 2 euros. Merci Doudix, ça fait plaisir! Zulator. Ah putain, Zulator. Zulator, c'est pas du boulot, putain. Allez, Zulator. Allez, Zulator, on prend en toi. Hydrocanon. Quoi? Putain, mais ça fait que dalle. Oh putain, mais l'autre, il met tout le temps des potions, ce tonneau à caca, là. Ah, c'est bon, je l'ai quand même eu, quoi. C'est abusé, quoi. Déflagration. Bon, c'est toujours sympa. On va le filer à mon petit Daffy. Putain, c'est hallucinant, quoi. Quoi? C'est qui, ce connard? C'est quoi cette île? Double quenelle. C'est spécifique à vert feuille et rouge feu. Ah oui, parce que ça, je connais pas. Prends ça avec toi. Tripasse. Mais je vais pas y aller, moi. J'en ai rien à foutre de cette merde. Île 1. Bah oui, c'est truc de online ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que je m'en branle? Allez, monsieur J, on se barre. Quoi? Attends. On peut pas se barrer de là? Ah si, quoi? Oh putain, c'est quoi ce bordel? Putain, les gars. C'est un add-on avec des Pokémon 2 et 3G, je crois. Ah sérieux? Ah, ça peut être cool ça par contre. Mais ça fait chier parce que j'ai pas envie de le faire moi ça, les gars. Ah, peut-être pas. Putain, impossible. Oh putain, je suis encore empoisonné, quoi. Mais ta mère, putain, je veux me casser de là. Putain, c'est infernal, quoi. Ah, cool. Ah, génial. Mais putain. C'était vraiment de la daube. Oh, il évolue.
Mais putain, mais ils ont changé les trucs, normalement c'est niveau 33. Il y a un problème, hein. Les gars, c'est lamentable. Niveau 34. On s'en branle, allez, bouge ton cul, là. Oh, il m'a tué, putain, mais sérieux? Je viens du centre Pokémon, je veux pas y retourner, quoi. Oh, putain. Ah, c'est l'enfer. C'est pas un excellent Megaman, monsieur. Ah, putain, et leur hyper potion, là. Non, mais va te faire foutre, sale pute, quoi. Pff. Sérieux? C'est chiant, quoi. Ouais, bah, je suis obligé de finir tout avec Daffy, quoi. C'est pas du boulot, ça est psycho. Bon, là, laisse tomber. Dracorage. Pff, oh là là, fini au doigt, quoi. Fini au doigt. Lamentable, je me fais déchirer, mais laisse tomber, quoi. Putain, mais sérieux, je l'ai fini avec charge, quoi. Lamentable. Allez, on... Franchement, ça faisait tiep. Allez, on se retape tous les téléporteurs. En même temps, Draco, il est bon, il pue la merde, quoi, faut le dire. Bon, quand j'aurai Dracolos, ça va changer la donne, mais pour le moment, c'est la zone, quoi. Non, ça fait tiep, hein. Ok, bon. Il écume, c'est parti. Je vais pisser, et let's go. C'est cuisinier, quoi. C'est Pokémon cuisinier, c'est un concept. Donc c'est bon, là, je peux... Je peux surfer apparemment. Bon, il y a Articonne, ah, nickel. Bah on y est. Ouais. En fait c'était pas très compliqué. Bon par contre, je mets qui en premier? Je vais mettre Gabi. Ah il est glace. Il est glace, il va me défoncer mais bon. Et Gabi il a poudre de l'eau je crois. Ouais. Ah bah voilà. Ouais, y a pas besoin de l'endormir en fait, voilà. C'est du pif. Alors comment on l'appelle, Articodin? Je vais faire une petite save, voilà. Comment on l'appelle? Ah, connard de base. Bon bah voilà. Allez, corde sortie, on se barre de là. Corde sortie, s'il vous plaît. Corde sortie, s'il vous plaît. Corde sortie. Non, on va te faire foutre. Voilà, vol. Et on va aller, bah, direction la ligue, hein, les gars. Ah, ça me fiche, j'ai mis iTunes. Ça me fait un peu chier de changer. Regarde-moi ça, putain! Il m'enlève la moitié de ma vie! C'est incroyable! Non, mais il est réellement nul à chier. Hein. Là, putain, je suis sur le cul, quoi. La daube, mais la daube de l'année, quoi. Ah, d'accord! Mais c'est quand même pas terrible, quoi. Regarde-moi ça, ce que je lui fais! Ça va faire bizarre quand même. Ah d'accord. Putain, mais il meurt tout seul quoi. Mais sous homme, mais sous caca. Putain, tu sais, c'est les petits. Ce Draco là que j'ai, c'est le morceau de caca qui reste collé sur le balai à chiottes quoi. La sous merde quoi. Non mais je vais pas aller à la ligue comme ça, mais je suis une merde, c'est pas possible. Ah, y a un problème là. Hein. Franchement, y a un gros souci là. Ah puis je peux même pas me barrer, d'accord. Ah ok, d'accord. Ok, c'est génial, je suis super content dans ma vie, c'est top, c'est top. En fait, il y a que Léviator qui gère, quoi. Tout le reste, c'est de la merde. Je vais faire la ligue avec Léviator, en fait. On va prendre Daffy, parce qu'il est pas mal. Ah, d'accord. Merci bien. Merci bien, merci bien. Ah bah, je sais pas quoi prendre, donc on va reprendre cette merde, mais... J'ai pas d'attaque... Surf? Ouais, si, surf. Ouais, on va reprendre lui. Je tenterais bien Blizzard, quoi. Je tente Blizzard? Ok, d'accord. Faut pas tenter Blizzard, donc on va reprendre Zulman. Ah, puis on va lui refaire surf, quoi. Ah, ça marche, on sait pas pourquoi, mais ça marche. Ok. J'ai le badge de terre, c'est génial.
Non, je pense que là, il y a un petit problème au niveau de mon équipe. Hein. Que des sous-hommes, j'ai que des sous-hommes en fait. J'ai des sous-Pokémon en fait. Voilà, lui il va vouloir que. Niveau 47 quoi. Et voilà, je suis mort. Prendre cette merde. Voilà. Putain, il lui reste 9-9 quoi. Ah là, on a réussi à s'en sortir, mais putain. Là, les mecs, PLS. Hein. Oh putain, Uri qui fait 15,24€. Ah merci mec, hein. Merci, ça fait plaisir. Bon, ça m'a motivé à continuer, mais c'est bien pour le plaisir. Hein. Au moins se péter cette ligue à la con, quoi. Eh les gars, j'ai un pote qui vient de m'envoyer, je sais pas si vous allez voir. C'est les deux connards de base, tu sais, qui parlent, qui font des unboxings de cartes Pokémon. David Lafarge, Pokémon le fragile. Et ben ils sont passés sur le 1945 d'M6. Ça déchire quoi. Putain, les sous-hommes quoi. L'enfer. Allez, j'ai sauté par-dessus parce que je suis un con. C'est parce que t'es un connard, Jackie. Emilia qui follow, et du coup c'est coupé parce que ton prénom est beaucoup trop grand, mais merci pour le follow. Putain, et j'y arrive pas les gars. J'y arrive pas à ne pas sauter par-dessus le machin. Je suis vraiment une merde, mais alors... Attends. Putain, je me fais tuer par un racaillou, quoi. Bah, attends. Non, là, c'est vraiment trop la honte. Il y a un problème. Je sais pas comment faire. Parce que là, en fait, on a tellement speedé pendant toute la matinée pour finir le jeu que là, en fait, on va se retrouver dans la merde. Parce que j'ai été trop vite. Voilà. Donc, c'est laquelle, le tonnerre? Magnéton Serge. Ouais, bon, ça a chié, mais ça me fait marrer. Bravo la commode. C'est laquelle, là, c'était tonnerre, les gars? Il claque la CT25 pour aller choper tonnerre par la suite. Quoi? Ben, on s'en bat les couilles. Je vais lui filer tonnerre et je vais lui filer. Je vais tout lui mettre. Je vais tout lui mettre dans son cul, à Draco. Bien dans son trou de balle, tiens. Oui, je sais qu'il y a des jetons, mais je veux juste voir c'est laquelle c'était pour savoir combien de jetons j'ai à prendre. Merci. Ok, d'accord. Donc, il me faut 4000 jetons. À la limite, je... attends. La glace, il faut quoi? Du feu? À la limite, je peux XP. Hein. Je peux XP un peu là. Hein. Je vais XP ça, et puis dès que je perds, bah, je reviens. Et puis... sans me remettre de la vie, évidemment. Je risque de me faire déchirer. Hein. Bah voilà. La preuve. Merci, bonsoir. Je suis mort! Ah oui, je me suis fait casser la gueule. Ouais, du coup, c'est pas mal parce que je peux bien XP avec, avec mon petit Draco là au début. Là. Je fais du Fatal Foudre. Ouais, tiens, j'ai trouvé la technique. Regarde dedans. Fatal Foudre. Fatal Foudre. Ah bah non, ça marche plus, hein. Ah oui, hein. Ah, guérison en plus, bah oui, évidemment. C'est tellement plus facile. C'est beaucoup plus précis, quoi. 52. J'ai pas de slip. On est 71, les gars. Et il y a un vieux reflet de soleil. Ça vient d'où? Ça vient de là? Ça m'en chie, attendez voir. Allez, tuez-moi, là. Ouais, je t'attaque avec coupe, mon gars. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je te défonce, mon pote. Coupe. Je prends pas you, mon gars. Eh ouais, putain, Payou, il pue la merde. Hein.
Allez, niveau 39 là, qu'est-ce qui se passe? Boum! Ah putain, c'est chaud. Pas de courage. Ah, je peux peut-être monter niveau 45. Eh, nickel. Ta mère. Mais non, je voulais pas faire ça, putain! Je rate mon attaque, quoi. Regarde-moi ça, mais regarde-moi ça! Entre mes attaques que je foire et l'autre qui met abri, voilà, je vais pas le toucher une fois. Regarde-moi ça, regarde-moi ça! Putain, c'est magnifique! C'est magnifique, là, ce qui se passe. Plus que deux fois. Voilà, il m'a tué. C'est génial. Voilà, guérison. Ça, c'est vraiment de la merde, quoi. Les dresseurs ennemis ne devraient pas utiliser des guérisons, quoi. C'est tellement cheaté. J'ai juste perdu du temps, quoi. Allez, mais envole-toi et bute-le, tête de con, là! Putain, mais 2 jours pour le tuer! Bon, les mecs, de toute façon, on va s'arrêter là. Hop, je vais faire une pause pour bouffer. Et puis, bah, peut-être qu'on se reprend après, je sais pas. En tout cas, si on reprend après, je vais tricher. Puis, on va se niquer la ligue, histoire de terminer correctement le jeu, quoi. Voilà! Bon allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Lego! J'en ai plein le fion. Re tout le monde. On se retrouve pour la dernière partie, je pense. De ce magnifique live. J'ai XP un peu, hein. Alors, ils sont presque tous niveau 61 sauf Articodin. Enfin, connard de base. Bon, j'ai pas vraiment XP, super bonbon, machin, bref. Je peux faire d'autres. Attends, on reprend parce que ça me gonfle. Lamantine. Qu'est-ce que je peux prendre contre Lamantine? Parce que je pourrais XP, je pourrais les mettre tous niveau 100, tu vois. Bon, je me suis dit, bon, c'est quand même de la merde. Même en trichant, il ramasse. Putain, faites des dons pour des super bons. Bah, j'ai utilisé des cheat codes. Bah, d'ailleurs, je pense qu'on peut le refaire là, si vous voulez. Regardez, hop. On va dans le PC. PC de Cine. Voilà, j'ai encore 99 super bons. On peut les prendre. Ah ouais, hein, voilà, cheatage de ouf, j'en ai tellement rien à péter, les gars. En fait, j'ai tellement envie de finir là. Ah, j'en ai strictement rien à foutre. Autant être clair, net, précis dès le début, quoi. Ah! Le mec il cheat et il a des dons, la version brageur, ça fait plaisir. Et regardez, 75, voilà, pour Daffy, il le mérite. Voilà, donc. Alors, comment je vais faire maintenant? Parce que là, il y a Lamantine qui nous casse les couilles. Bon, de toute façon, j'ai des super potions et tout, au pire. Ah voilà! La 71, ça va tout de suite mieux, les gars! Putain! Non, la vache, il est possédé de bordel. Encore un live. Salut mon Cid. Salut tout le monde. Salut quelque part. Bah écoute, c'est la suite du live de tout à l'heure, de ce matin, hein, de 6h30. Tu vois qu'on est à la Ligue Pokémon, là, c'est plutôt sympathique. Bon, voilà. Sauf que là, bon, je viens de cheater un peu pour augmenter le niveau des Pokémon parce que ça commence vraiment à me casser la couille. On va faire évidemment un petit Fatal Foot dans sa gueule de bâtard. Voilà. Dracaufeu, bon, bah Dracaufeu c'est un sous-homme donc on va prendre Zulator. Voilà. Hop, petit surf. On le finit avec Ultra Laser. Voilà, terminé. Merci, bonsoir. Ah, il a encore Noix de Coco, merde. Allez, putain, gros tas de merde. Voilà, ultra laser. Allez, 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 ultra laser. Merci. Voilà, on a fini la ligue. Et donc, bah voilà, il y a le professeur chien qui vient nous parler. Parce que c'est un chien, quoi, un genre de chien. Et voilà. Ouais, bon, voilà. Bon, j'ai quand même fait tout le jeu sans cheater, mais bon. Il reste le post-league après. Ouais, mec, le post-league, on va aller choper Mewtwo et puis terminer, quoi. Merci, bonsoir.
En plus, vous voyez, je peux même pas save. Vous avez vu? Je peux même pas save en fait, donc je peux pas faire la suite. Parce qu'il faut, il faut recommencer avec la sauvegarde. Ouais. Vous voyez? Donc voilà, je peux pas aller plus loin. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Et rendez-vous sur la rediff, et puis rendez-vous peut-être pour un prochain live. Et puis rendez-vous chez Staz, hein, dans 30 minutes là à peine, on va voir Staz, les gars. Ok? Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, ciao! Et puis à tout à l'heure chez Staz, peut-être. Bye!